Nous arrivons à l'article additionnel après l'article douze bis b avec des amendements identiques. Le deux cent dix-neuf, Madame Coutel. Oui, euh, merci Monsieur le Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, on arrive devant un, un amendement qui est euh, compliqué mais important, et, et je souhaite euh, attirer l'attention de l'Assemblée sur ce sujet. Euh, dans le Code pénal, le, la définition du viol est ainsi rédigée depuis 1980. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, surprise, constitue un viol. En France aujourd'hui, il y a environ 85 000 viols, euh, majoritairement sur des femmes. Seuls 11% en 2010 ont porté plainte et il y a eu 1300 condamnations pour 60, 83 000 viols ou tentatives de viol. Et une femme meurt toutes les huit secondes dans le monde du fait de viols Certains pays, c'est devenu une arme de guerre. Or, cette définition du, du, de, dans l'article 223, 22 et 23 du Code pénal ne fait aucunement référence au consentement. Et c'est un sujet dont, sur lequel nous alertent beaucoup les associations, sur lequel nous avons déjà travaillé. Et l'on peut constater que la jurisprudence renvoie souvent les affaires en ne prenant pas en compte cette question du non-consentement de la victime. Or, on sait que dans le viol, comme dans l'inceste, il peut y avoir des effets d'emprise, des effets de sidération, des effets de non-défense, ne serait-ce que par protection. On sait que la victime peut être tétanisée et même refusée. Elle-même, parfois, elle occulte complètement euh, l'acte et il ressort, il réémerge des années et des années euh, plus tard. Donc, tous ces éléments euh, ne, font, ne font pas appel à, à cet euh, élément du, du consentement. Et on constate même que dans dans les manuels de droit, pénaux, de droit pénal pardon, destinés aux étudiants et, et aux avocats, il déclare euh, que l'absence de consentement de la victime ne suffit pas pour qualifier une infraction de viol ou justifier une condamnation. Or, et on vient de le dire dans le consentement et dans, dans les violences, euh, s'il ne faut que caractériser des violences physiques c'est à dire des coups, euh, des blessures, des marques, euh, souvent, la victime, soit d'abord ne le fait pas assez constater, soit ça n'est pas visible parce que peut y avoir eu une violence psychologique extrêmement forte. C'est le cas quasiment dans tous les cas de l'inceste. Il n'y a, a pas forcément constat de violence physique, mais l'enfant a été sous emprise de l'adulte et, d'ailleurs, ne pensait même pas à l'époque où les faits se sont déroulés que c'était anormal. Et je reprends, Madame la Ministre, un, une jurisprudence dans le Code pénal où euh, un jugement a été cassé et le violeur présumé n'a pas été renvoyé devant la cour d'assises parce que c'était un viol sur mineur de 15 ans. Aucun élément de violence ou de, de contrainte ne résulte de l'information. Et que devant ce comportement, alors qu'il a cédé sous les effets de surprise, le, la surprise n'est pas suffisante pour renvoyer, et le non-consentement n'est pas suffisant pour renvoyer la personne poursuivie euh, devant une cour d'assises. Donc voilà un peu les éléments que je voulais apporter aujourd'hui. C'est un sujet très grave et très sérieux. C'est un sujet où on essaie de mieux définir le viol, et vous l'avez compris, Madame la Ministre, avec le viol, l'inceste. Aujourd'hui, notre code pénal ne mentionne plus l'inceste. Notre rapporteur a cité tout à l'heure l'article du code pénal en disant qu'il avait été modifié et même le viol incestueux n'existe plus dans le code pénal. Il y avait une tentative de définition par notre collègue Marie Louise Faure hein, qui avait fait une PPL sur ce sujet qui n'a pas été retenue. Euh, je pense qu'il faut que je, je souhaite, par cet amendement, euh, attirer l'attention. Et euh, pour répondre à, à certaines objections, c'est vraiment un sujet concernant les femmes il y a des hommes violés et ils sont probablement d'ailleurs plus nombreux qu'on ne l'imagine. Vous nous avez remis récemment, Madame la Ministre, un rapport sur euh, le sexisme que je lis avec beaucoup d'intérêt parce qu'il est extrêmement intéressant sur les stéréotypes sexués. Et on se rend compte que 75 des femmes peuvent déclarer ou porter plainte pour des faits de, de violence. Et il y a seulement 44% des hommes parce qu'ils ont plus honte, ils n'osent pas en parler, c'est plus intériorisé. Mais voilà, je voulais porter au débat cet élément et, et voir comment nous pouvions donner suite à une nouvelle définition du viol dans notre code pénal. Merci. L'amendement 264 n'étant pas défendu, avis de la Commission, monsieur le rapporteur, sur le 219. Oui, il est, il est des cas et des sujets sur lesquels il faut encore plus particulièrement se souvenir de ce que nous disait Montesquieu dans les Lettres Persanes, qu'il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. Notamment quand euh, il s'agit de sujets euh, aussi graves que, euh, que le viol, que le crime de viol, même si je sais qu'il est souvent correctionnalisé, mais c'est d'abord un crime, et aussi le crime d'inceste, même si euh, le terme a disparu du code pénal, et même si là aussi, euh, il y a parfois une requalification. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce que nous parlons du crime qui donne lieu, en tout cas, à 50% des condamnations prononcées par les cours d'assises. Bon, donc, c'est vraiment euh, une disposition centrale du, euh, du Code pénal. Et que le nombre de victimes est considérable 148 000 ou en tout cas près de 150 000 victimes recensées sur deux ans. Et si on y ajoute d'ailleurs aussi, euh, puisque vous y avez fait référence, Madame la Présidente, euh, la question de l'inceste. Les données sont très difficiles à être établies avec certitude, mais certains avancent le chiffre de 2 millions de Français qui euh, pourraient être ou avoir été concernés par un acte incestueux au cours de leur vie. Bref, on est sur des sujets lourds, sur des sujets graves. Le texte du projet de loi initial ne comportait pas de disposition sur ce sujet. Et c'est donc au regard des dispositions que contenait le projet de loi initial que moi, j'ai établi les auditions que j'étais en mesure ou que je devais conduire. Et alors que j'ai fait près de 50 heures d'audition, je n'en ai conduite aucune sur ce sujet précis. Je n'ai donc aucun élément en tant que rapporteur de la commission des lois pour apprécier les éventuels effets indésirables de l'amendement que vous proposez. A priori, je, crois pas, je ne crois pas qu'il poserait peut être de difficultés, mais il faut être absolument certain que nous légiférons dans un sens qui soit favorable à l'intérêt des innombrables victimes des crimes, Madame la Présidente, que vous évoquiez. Et sur la question de l'inceste, nous avons eu en débattre en commission. Là aussi, je crois que c'est avec la plus extrême prudence qu'il faut légiférer. D'abord, parce que notre Assemblée avait eu à voter une loi qu'elle a votée à l'unanimité sur les bancs de cet hémicycle, mais qui avait souffert d'une censure du Conseil constitutionnel. Ce qui fait qu'effectivement, le Code pénal a été modifié et que la référence à l'inceste n'est plus présente dans le Code. À l'occasion de la réunion de la Commission des lois du 18 décembre dernier alors que moi-même en tant que rapporteur j'avais initialement préparé un amendement sur la redéfinition de, du crime d'inceste et que je l'avais finalement euh, retiré et que j'avais invité notre collègue Fort madame Fort à retirer également euh, un amendement sur le sujet nous avions pris un engagement au moins moral Notamment vis-à-vis -vis des victimes, avec Madame Fort, avec Monsieur Geoffroy, avec tous les collègues de tout, sur tous les bancs, parce qu'il s'agit bien là d'une question où on peut évidemment réfléchir et imaginer légiférer au-delà de tout clivage partisan. Un engagement avait été pris pour que soit mise en réflexion la rédaction d'une proposition de loi sur la question de l'inceste. Je crois qu'elle peut être étendue, cette réflexion, à la question euh, du viol, de son éventuelle précision, en tout cas dans euh, les dispositions qui concernent sa définition, et que donc à l'occasion d'une discussion, d'une proposition de loi sur ce sujet, nous pourrions peut-être plus sereinement aborder tout, euh, tous ces sujets. Et je pense peut-être qu'aussi nous pourrions là-dessus espérer, mais j'en suis certain en tout cas pour ce qui concerne la ministre aux droits des femmes, et je l'espère pour l'ensemble des membres du gouvernement, bénéficier du soutien du gouvernement pour pouvoir inscrire au plus vite cette proposition de loi à l'ordre du jour de, de notre Assemblée. En tout cas, pour ces raisons-là de prudence, la Commission a préféré à ce stade émettre un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, vous me pardonnerez, euh, Monsieur le Président, de prendre à, à mon tour un peu de temps pour répondre euh, sur cette question que je remercie Madame la Présidente de la Délégation Droits des Femmes d'avoir introduite. C'est une question absolument euh, majeure. Je vais euh, commencer par, euh, par revenir sur le viol en tant que tel et donc euh, la modification que vous proposez euh, d'introduire dans la définition du viol dans le Code pénal. Il est vrai. Euh, votre argumentation est juste que la Convention d'Istanbul que la France a signée en 2011 et dont d'ailleurs le projet de ratification est actuellement examiné par votre Assemblée, cette Convention d'Istanbul fait du non-consentement le critère clé de la définition du viol et de l'agression sexuelle. Une relation sexuelle non consentie est un viol ou une agression sexuelle. Pour ce qui concerne notre droit maintenant, lorsque le législateur français a élaboré en 80, dans le prolongement des grands procès des années 70, une définition précise du crime de viol, il a décidé d'identifier trois critères objectifs pour matérialiser cette absence de consentement. Donc l'idée de l'absence de consentement est là, mais on a préféré le législateur de l'époque a préféré la matérialiser sous trois formes la violence, la contrainte, la surprise. Le nouveau code pénal qui a été adopté en quatre vingt quatorze a ajouté la menace. Même si c'est un critère qui s'est révélé, on le sait, assez inopérant dans les faits, puisque la Cour de cassation a estimé qu'il ne s'agissait que d'une forme particulière de contrainte. Donc, pour revenir à ce que vous dites, si l'absence de consentement en tant que tel ne figure pas dans le code pénal, elle est néanmoins examinée par les magistrats quand il s'agit de déterminer quoi? De déterminer l'élément intentionnel de l'infraction, elle n'est pas examinée. Je vous rejoins lorsqu'il s'agit de déterminer l'élément matériel de l'infraction. En tout cas, ça n'est pas un passage obligé, et je confirme avec vous qu'il y a un certain nombre d'interrogations légitimes à l'égard de certaines décisions de cour d'appel qui, pour le coup, acceptent de relaxer au motif que dans l'élément matériel, euh, il n'y a pas eu euh, vérification euh, du non consentement. Donc, moi, ce que je vous propose par rapport à votre amendement, c'est de travailler sur cette question de façon sereine, euh, parce que, à ce stade, je pense qu'on ne peut qu'être défavorable à la rédaction que vous proposez pour deux raisons en particulier. La première, c'est que c'est un amendement euh, qui traite exclusivement de la question du viol, alors qu'il me semble qu'on ne peut pas dissocier les incriminations d'agression sexuelle et de viol, et qu'il faudrait pouvoir les aborder de concert. Et la deuxième euh, réserve est plus substantielle. Je crains que la rédaction que vous proposez ne puisse créer un risque d'une lecture, là encore, à contrario, puisque euh, on, elle pourrait conduire certains juges à considérer qu'un euh, consentement peut exister dans les autres cas qui sont la violence, la surprise ou la contrainte. On, on voit bien, comme le disait votre rapporteur, que cette définition du viol doit être euh, retouchée si nous en prenons la décision euh, d'une main sûre plutôt que d'une main tremblante. Donc euh, je nous propose de nous donner le temps de revenir sur cette question, d'autant que le Haut Conseil à l'égalité femmes hommes a constitué un groupe de travail sur le sujet vous le savez, vous y participez, qui n'a pas encore rendu ses conclusions, qui va le faire que, d'ailleurs, ce groupe de travail va être nourri par les conclusions de l'inspection générale des services judiciaires que nous avons saisies avec la garde des sceaux. D'une mission sur le sujet de la correctionnalisation des viols. Tout ça est étroitement lié, puisqu'on sait aussi euh, qu'il y a une grande tendance dans notre pays à sous-qualifier euh, l'agression vécue pour qu'elle soit traitée plus rapidement et donc, du coup, à correctionnaliser le viol, ce qui paraît assez insupportable. Nous voulons lutter contre cette tendance à la correctionnalisation des viols. Donc, l'IG. La, la, SJ, l'inspection générale des services judiciaires, est en train de travailler sur une mission sur ce sujet. Donc, allons au bout de ce travail, si vous le voulez bien, auquel je souhaite évidemment vous associer, et revenons sur ce sujet, pourquoi pas, comme l'a proposé votre rapporteur, avec un texte spécifique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et ce texte spécifique, je souhaite en effet qu'il puisse aussi permettre de revenir sur la question de l'inceste et je vous remercie à nouveau de l'avoir abordé aussi et revenir de façon approfondie et dans l'esprit de consensus qui s'est dégagé de votre commission des lois. J'y étais et j'ai pu entendre en effet sur tous les bords la volonté de travailler à une proposition de loi sur cette question de l'inceste, meilleure définition, meilleure protection des victimes, à une proposition de loi qui vous serait peut-être commune. Entre différents bancs. je crois que ça irait vraiment dans le bon sens. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une telle proposition de loi Parce que euh, il ne faut pas se tromper, l'inceste figure toujours dans le code pénal euh, sous la forme du titre de, de la section 2 du euh, chapitre 1 bis, qui s'intitule « de l'inceste commis sur les mineurs ». Donc, il figure bel et bien dans le code pénal avec un régime particulier qui prévoit le retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation. Mais c'est vrai, vous avez raison que l'incrimination d'inceste en tant que telle ne figure plus dans le code pénal et ça ça heurte notre sens commun. Par ailleurs, je pense que notre droit euh, doit répondre de façon plus claire à la question de savoir si en cas d'inceste, l'absence de consentement de la victime doit être recherchée. Pour moi, non en cas d'inceste, l'absence de consentement de la victime ne doit pas être recherchée, or nous avons chaque jour des témoignages assez bouleversants qui nous montrent que ça a bel et bien été recherché. Donc pour traiter euh, ce sujet et pour rentrer un peu dans le détail, je pense qu'il faudrait prévoir explicitement qu'une atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale est présumée ne pas avoir été consentie pour euh, l'application euh, des articles 222 deux .22 à 222-31 du Code pénal. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je suis donc très favorable à ce qu'un travail approfondi soit mené sur ces deux questions. Le gouvernement soutiendra bien entendu l'inscription d'un texte portant sur ces sujets à l'ordre du jour dès qu'il sera prêt, mais au stade actuel, il ne me semble pas pertinent d'accepter, Madame la Présidente, vos amendements et vous, donc, vous, je vous demande donc de bien vouloir retirer cette proposition. Madame Guégault. Oui, je, je vais être assez rapide. Je voudrais juste euh, bien me féliciter de, des propos qu'a tenus le rapporteur. et vous rappelez donc euh, effectivement, c'est ma collègue Marie-Louise Fort qui s'est beaucoup battue sur ce sujet. Euh, vous avez rappelé euh, comment euh, cette PPL n'a pas pu euh, trouver euh, totalement son application. Je crois que maintenant, il y a d'une certaine manière urgence, et nous avons bien entendu vos propos et nous travaillerons bien évidemment au nom de l'ensemble de notre groupe pour que cette proposition de loi puisse maintenant très rapidement voir le jour. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Madame la Présidente Cotel. Bien, j'ai bien entendu le rapporteur et madame la ministre, euh, mais je pense qu'il était important et intéressant que nous ayons ce débat à l'occasion d'un texte sur l'égalité femmes hommes, parce que certains ont pu s'interroger, certains ou certaines ont pu s'interroger sur l'opportunité de le mettre dans ce texte. Je pense qu'il qu fallait euh, aborder le sujet, il fallait avoir vos réponses. Euh, nous le faisons et je rassure Monsieur le rapporteur tout à fait sereinement. Hein, il n'est pas question d'enflammer euh, les esprits. Je le redis, les associations qui s'occupent de violences faites aux femmes nous disent que cinquante sept des appels euh, sont liés à des personnes qui ont connu des violences dans leur enfance, qui ont connu euh, des, de l'inceste dans leur enfance. Et lorsque nous avons abordé le sujet de la prostitution. Une partie, une grande partie des personnes prostituées ont aussi connu euh, des violences dans leur enfance et, et souvent l'inceste. Donc c'est un sujet majeur. Il y a actuellement une campagne sur internet faite par des associations pour dénoncer cette violence, qui est sans doute méconnue, y compris par les professionnels et dans les écoles. Il semble de dire qu'un enfant sur huit il me semble que j'ai sur cinq, dans une classe, un enfant sur cinq serait l'objet d'inceste. Si, si les professionnels ne sont pas sensibilisés à cette question-là, ils ne peuvent le détecter. Pour toute cette raison, nous sommes sur une cause majeure, sur une cause fondamentale, et nous devons y travailler rapidement. Et, et je pense que nous devons y travailler tous ensemble. Je pense que l'opposition sera bien sûr tout à fait d'accord pour être dans une, je sais pas si une commission spéciale, mais on fera en, en sorte qu'une PPL arrive rapidement. Merci. L'amendement est retiré. Je mets au voie l'article 12 bis qui est pour son adoption. Contre, il est adopté. Je mets au voie l'article 13, même vote, adopté.